Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi. Regardez ce que c'est! C'est un bus de transport en commun! Ouais! Vous êtes prêts pour étudier les bus avec moi? Ouais! C'est parti! Maintenant, allons voir à l'intérieur du bus. Allons-y. Wow, c'est parti. Wow, regardez, c'est ici que le chauffeur de bus s'assoit. Wow, je vous en dirai plus tout à l'heure. Mais tout d'abord, allons voir un peu à l'arrière de ce bus. Ouais. Wow! Tous ces sièges sur lesquels on peut s'asseoir! Comme celui-là, juste ici! Ou... celui-là! Oh! Encore celui-là! Wow! Wow! Oh! Wow! 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 Qu'est-ce que c'est? Waouh! C'est très lumineux là dehors! Ça, c'est la deuxième porte! Il y a une porte avant et une porte arrière! C'est super cool! Oh! Et regardez! Ça, ce sont des poignées! Quand tous les sièges sont occupés, on doit rester debout! Alors, il faut quelque chose de solide pour se tenir! Waouh! Wow! Wow! Bien, ok. Une dernière chose avant de vous montrer le siège du chauffeur. Venez! Vous voyez ça? Ça, c'est pour prévenir le chauffeur de votre arrêt prochain. Écoutez. Ok. Maintenant, je vais vous montrer où le chauffeur s'assoit. Wow! Chauffeur Blippi! Chauffeur Blippi! Wow! Je vous donne un ticket, juste ici. Voici votre ticket! Wow! Là! Ok, je le valide pour vous. Bien! Vous êtes prêts à y aller! Mais avant... tout le monde s'assoit à vos sièges, tout le monde. On va prendre un peu de bon temps dans cette virée en bus. Wow, c'est super cool. Wow, qu'est-ce que ça fait ça? Vous savez ce que ça fait? Oh, c'est le klaxon du bus. Allons-y encore. Ouais! Bien! Je vais fermer les portes avec ça. Regardez! Ok! Fermeture des portes! Fermeture des portes! C'est excellent! Viens et assieds-toi, partenaire!
est à l'atelier de maintenance des bus. Oh, venez! Regardez tous ces super gadgets! Comme ce collier de serrage. Oh, oh, c'est cool! Et puis, wow, une très grosse vis! Wow! Et une plus petite vis, avec un écrou et une rondelle dessus. Oh, il y a des tas de super choses ici! Laissez-moi vous montrer encore d'autres choses dans cet atelier de maintenance. Wow! Oh! Regardez, attendez! Ça! Ce sont les archives de maintenance de tous les bus. Ok, maintenant, je vais vous montrer comment faire de la maintenance sur un bus. Allons-y! Ok, nous y sommes. Ça, c'est l'arrière du bus, là où se trouve le moteur. Wow! Il y a une grosse courroie. Et le moteur! Et regardez par ici. Ça, c'est pour faire le niveau d'huile. Ouais, vous saviez ça déjà. Faisons le niveau d'huile. On sort la jauge. On l'essuie. On remet la jauge. On vérifie le niveau. C'est bon pour moi. Donc, je pense qu'on est prêt pour aller faire un tour de bus. Allons-y! Maintenant, c'est parti pour un tour de bus. Vous voulez faire un tour de bus? Ouais! Allons-y! Regardez, c'est pas... Oh non! La porte s'est fermée! Oh! Oh! Oh non! Oh non! Et ils partent sans nous! Attendez! 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 Me laissez pas! Essayez d'arrêter, venez. Oh. Oh. On était en retard pour le bus. Ok, voilà la raison pour laquelle il faut toujours être à l'heure pour le bus. Venez. Asseyez-vous. Oh, on y est arrivé. Ouh, c'était moins une. Waouh, regardez. C'est super cool. S'il y a un endroit où vous devez aller, allez au magasin ou entrez chez vous. Montez dans le bus, il va vous y emmener. À travers la ville, il va partout. Juste un ticket, ça suffit. Mais montrez-le bien au chauffeur aussi. Prendre le bus pour aller chez un ami. Vous pouvez même aller dans un autre pays. Prenons tous le bus. Prenons tous le bus. Le bus pour aller à l'école. Prenez le bus bleu ou vert ou rouge, peuvent aussi être les bus. Prenons tous le bus.
prenons tous le bus. Vous pouvez prendre le bus où il y a un arrêt. À l'arrêt de bus, vous attendez votre tour. Laissez les autres descendre, puis asseyez-vous. Et vous dites au chauffeur, un ticket s'il vous plaît. Écoutez le chauffeur annoncer chaque arrêt. Sonnez pour descendre, le bus va s'arrêter. Prendre le bus pour aller chez un ami. Vous pouvez même aller dans un autre pays. Prenons tous le bus. Prenons tous le bus. Prenons tous le bus. Prenons tous le bus. Pour aller à l'école, jaune est le bus. Bleu ou vert ou rouge peuvent aussi être les bus. Prenons tous le bus. Prenons tous le bus. Prenons tous le bus. Prenons tous le bus. Prochain arrêt, l'angle de Easy Street et Penny Lane. Hey! Regardez où nous sommes! Aujourd'hui, nous sommes au musée des enfants Hands-On d'Olympia à Washington. Venez! Wow! Regardez là! Wow! Oh! C'est comme à la ferme! Oh! On a des brocolis. Miam, 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 miam. Hey! C'est si vert! Oh! Oh! Regardez! Des carottes. Miam, 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 miam. Les lapins aiment les carottes. Et elles sont de couleur orange. Venez! Oh! Des oignons. Et un peu de maïs. J'adore le maïs. Un épi de maïs. Vert et jaune. Oh! Regardez! Ça, c'est une craie géante. Wow! H-I Sally. Hi! Hello! Oh, venez! Oh, wow! Regardez! Je vais faire plein de bulles! Wow! 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 Ok! Wow! Ces bulles sont énormes! Wow! Wow! Ok, je vais venir très près de vous. Wow! Oh, regardez! Cette mignonne petite bulle! Venez! Oh! Regardez toutes ces branches! On appelle ça course de raton laveur. Venez! Wow! Wow! Oh, c'est comme une œuvre d'art, faite de simples branches. Wow! Oh! On est pris au piège là-dedans! Venez par là! Passez par là! Wow! C'est quoi ça là-bas? C'est là qu'on va pouvoir faire du tricycle! Ok, un tricycle s'il vous plaît! Il faut porter un casque, et ce casque est de couleur noire. Oh! Oh! Oui! Oh! Regardez! Ce tricycle s'appelle un tricycle parce qu'il est monté sur trois roues. Oh! Si c'était une bicyclette, elle n'en aurait que deux. Allez, on y va! Thank you.
côte. On arrive. J'en peux plus. Parfois dans la vie, quand on ne peut pas faire une chose, il nous faut trouver autre chose. Comme ça. On monte à pied. C'est ok. C'est toujours fun. Wow. C'est la descente. On y va. Oh. Wow. Regardez-moi. Sans les mains. Wow. 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 Oui. Wow. Wow. Venez là. Maintenant, il est temps de construire un bateau. Cet endroit est fait pour construire un bateau. Comme ça, on prend une pièce en bois, comme celle-là, et on prend une paille. On la met là. Oh! Et on va faire un voilier avec une voile verte. On la met là. Autour. Autour. Une rose en haut. Prêt? Oh! Et voilà! Regardez ça! Quel beau bateau! Mais une seconde! Nous allons mettre une personne dedans. Vous voulez celle-là ou celle-là? Oh! Mettons celle-là! Ok. Qu'est-ce que ça donne? Wow! C'est tellement magnifique! Très amusant! Ok, et puis prenons une énorme pieuvre! Ok, allons par là! On met le bateau dans la pieuvre géante, juste là! Wow! Regardez ça! Ça, c'est une table d'eau! C'est bien mouillé! Ok, juste avant de mettre le bateau et la pieuvre dans l'eau, on va aller chercher un ciré imperméable! Venez! Ok, ce ciré est de couleur jaune! Oh! Oh! Ah! Ah! C'est bien ajusté! Oh! Ok, on est prêt! Venez! Ok, mettons le bateau. Oh, une seconde. Retournons là-bas. On a des pièces en plastique. On va pouvoir mettre des obstacles sur la course. Prêt? Oh! Oh, oh, oh. Ok, allons-y. Une par ici. Une par là. Une par ici. Oh! Et une autre par là. Oh! Ça, c'est un étirement. Celles-là sont de couleur jaune, juste comme la veste. Une par ici. Une par là. Ok. Wow! Maintenant, je crois qu'on est prêt à mettre le bateau et la pieuvre géante dans l'eau. Prêt? C'est parti! 3, 2, 1, go, 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 go! Wow! Ouh. Go, go! On a perdu la pieuvre! Oh non! Reste pas coincé! Vas-y! Vas-y! Elle arrive! La pieuvre arrive! Ok, ça y est! Ouais! On y arrive! Wouhou! Le bateau est arrivé! Bien joué! Miam! J'adore l'odeur des plantes! Et leur texture! Oui! C'est juste magnifique! Wow! Qu'est-ce que c'est là-bas? Est-ce que c'est un espace réservé pour aller creuser la terre? Venez! Wow! Un
un seau vert. Ouh! Un camion benne miniature vert. Waouh! Et une pelleteuse verte. Voyons ce qu'on peut creuser. Regardez! Waouh! Ça, c'est un tricératops. Waouh! Vraiment un très vieux dinosaure. Venez! Ouh! On a vu un petit camion benne vert tout à l'heure. Maintenant, voici un énorme camion benne vert. Ça ressemble à une aire de chargement pour aller remplir notre camion benne. Regardez! Ok, on remplit, c'est parti! Wow! Ouh! Ouh! Voum, 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 voum! Hello? Ça, ça a l'air d'être l'endroit parfait pour décharger tous ces cailloux. Prêt? Bip, 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 bip! Waouh, c'est lourd! Oh! Oh! C'était un gros chargement à l'arrière du camion Ben. Bien joué! Wow! Regardez cette pièce! C'est comme dans une forêt. Il y a tellement d'arbres ici. Waouh, regardez. Wow. Les belles plantes. Ouh. Et regardez ça. Ça ressemble à de l'écorce. Wow. Venez ici. Regardez la grosseur de cet arbre, là, juste là. Oh. Vous voyez un animal ? Qui bat des ailes quelque part? Regardez, c'est là-haut! Vous voyez? Ah, ouais! C'est un oiseau! Ouh! Regardez par ici! Puisqu'on est dans la forêt... Wow! Il y a une tente! Comme si on allait camper! Regardez! Oh! Chaud! Oh! Oh! Et il y a un morceau de bois! Une bûche! Ok, et puis... Wow! Wow, des tubes aspirateurs! Venez! Wow! J'adore cette pièce-là! Wow! Hey! Vous voyez, on prend les balles de couleur ou même des foulards... Cette orange-là, la violette, la jaune, et aussi la rouge. Et puis, vous les mettez là-dedans. Oh! Oh! Et puis elles vont tout là-haut. Regardez! Wow! Elles vont tout là-haut. J'en fais encore. Prêt? Vous êtes prêts? Maintenant, je mets ces foulards colorés dedans. Prêt? Hop!
tous les mettre dedans. C'est parti! Encore quelques balles. Ok. Voilà. Maintenant qu'on en a beaucoup, il faut qu'on tourne toutes ces vannes. Ok. Maintenant, on ne peut plus savoir où elles vont aller. Elles vont prendre un passage différent. Oh, oh, oh! C'était un super toboggan bleu en spirale. Oh, venez par là. Oh, regardez cet endroit. Wow. Dans cet endroit, on dirait qu'on peut assembler ces tubes. Wow. Il y a une cheminée qui arrive juste ici. Wow. Oh. Wow. Hello? Vous me voyez? Hello? Pas de soucis, je suis juste là. Hey! Wow! 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 Regardez ça! Wow! Il y a de la fumée juste en dessous de cette eau. Vous la voyez? Wow! C'est trop fun de toucher. Ça fait du bien. Wow. Wow. Mes mains sont toutes mouillées. Ok. Wow. Regardez ça. Wow. C'est un vortex. Un peu comme un volcan d'eau. L'eau monte en spirale très très vite. Ok, voici des balles de couleur et je les mets là-haut. Prêt? Ok, maintenant que le tube est armé et chargé avec les balles, soyez prêts, les bombes arrivent! 3, 2, 1! Wow! Venez voir les balles! Wow! Oh! Wow! Vous avez vu ça? Wow! Ok, je vais prendre encore quelques-unes de ces balles de couleur. Cette rose-là, cette jaune-là, cette violette-là. Et il devrait y en avoir d'autres qui vont venir. Oh! Une autre rose. Oh! Une autre violette. Voilà une blanche. Ok. Soyez prêts. Parce que je vais les envoyer là-haut. C'est parti! Oh! Oh! Regardez là-haut! Vous les voyez dans le vortex, là? Wow! J'envoie les balles là-haut. Et ensuite, elles tombent dans le vortex. Ok. Juste deux encore. Allez, les balles! Wow! C'est trop cool! Wow! Ce vortex d'eau est super méga fun!
Wow! Oh! On roule jusqu'au chantier! C'est parti! Pip, 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 pip! Ok, là, on est arrivé sur le chantier. Wow! Il faut prendre nos outils, comme la pelle. Chic, chic. Et... Wow! Wow! Ouais! Regardez cette grosse brique! Wow! Wow! Et cette énorme... rocher! Wow! Wow! Ah! Wow! Wow! Ok, on emmène tout là-bas. Ok. Ok, ici, ce sera le chantier. Allons quand même voir là-bas tous les outils. Comme un marteau-piqueur. Wow! Et... wow! Un casque! Un gilet de sécurité. Wow! C'est un peu petit. En fait, je vais pas porter de gilet de sécurité cette fois, mais je vais porter cette paire de lunettes de sécurité bleue. Oh, regardez. Pistolet à clous, une perceuse. Oh, un maillet. Waouh! Un pied de biche. Oh, et une scie sauteuse. Et un mètre ruban. Wow. Ok, allons-y. Oh, heureusement que j'ai mon casque. Ok, prenons des cônes de signalisation pour dire aux gens que nous allons construire une maison juste ici. Ok. Et... oh. Ok. On installe des... panneaux de signalisation. Ah, voilà. Je vais mettre ça là. Ok. Maintenant, toute notre structure est là. Prenons deux comme ça. Une, deux. Posons-les là sur le sol. Et... prenons-en des grandes. On les met comme ça. Et voilà. Ah non. Alors, comme ça. Ok. Ah. Et voilà. Ça, ce sont les fondations de la maison que nous construisons. Ok? Prêt? Restez là. Et je vais commencer à construire. Ok, maintenant, pour le toit, on a besoin d'une de plus et ce sera bien solide. Et voilà, maintenant, mettons le toit de la maison là-dessus. C'est par là. Ouais, la dernière. Je la mets là, juste là. Je crois qu'on a construit une très belle maison. Essayons-la. Bon, en fait, elle était pas si solide. Regardez où nous sommes. À l'intérieur d'une huître. Et regardez, c'est une perle géante. Si blanche, brillante et belle. Et ça? Ouais. Ça représente un grain de sable. Waouh! Parce que si un grain pénètre dans une huître, eh bien, elle devient très irritée. Et c'est ainsi qu'elle fabrique une perle. Waouh! Oh! Bien! C'était méga fun de se balader avec vous au musée des enfants d'Olympia à Washington. C'était trop méga fun de... hey, tout toucher! Bien,
On se voit vite. Bye bye. L'été bleu. Wouh! Aujourd'hui, on est au Las Vegas Mini Grand Prix. Wouh! Regardez ça, ce sont des cartes. Et ça, c'est un kart vert. Là, c'est un kart rouge. Et ça, c'est un kart bleu. Je suis trop excitée. Regardez bien ces deux cartes. Ce sont mes deux couleurs favorites. Ce kart-là est de couleur orange. Et ce kart-là, oui, est de couleur bleue. Là, c'est l'heure pour moi de vous montrer toutes les parties du kart. Donc, oh, hey, regardez ça! Oui, c'est bien un kart! La première chose sur les cartes, c'est que tous les kartes ont quatre roues. Vous voyez ça? Ça, c'est ce qu'on appelle une roue. Elles sont toutes petites! Trop mignon! Ici, c'est donc la première roue. Ça, c'est la deuxième roue de ce kart. Par ici, c'est la troisième roue du kart. Et ça, c'est la dernière roue du kart. La quatrième roue du kart. Waouh! Regardez ça! Ouais! Ça! Ça, c'est le pare-choc. C'est une sécurité. Ça protège quand on fonce dans quelque chose. Comme ça! Wow! Très bien! Regardez ça, derrière. Ça, oui, ça, c'est un aileron. Ils mettent des ailerons sur ces cartes et sur les bolides. Ça les force à rester au sol et ça rajoute genre 3 millions de chevaux au véhicule. Waouh, c'est vite ça. Regardez là. Ça, c'est le moteur de notre carte. Il y a le filtre à air, la bougie, le silencieux, l'huile et trop plein d'autres choses. Bien, pour que le moteur développe toute sa puissance, il a besoin d'essence, un peu comme vous et moi, de manger. Le kart mange également. Ouais, enfin juste ici, c'est le réservoir. Et juste ici... ouais, juste ici, c'est le réservoir. Wow! Je crois que vous et moi... On va le remplir. Nous allons faire le plein d'essence de ce kart. On enfile un gant de protection. C'est parti! Waouh! Très bien. On met l'embout ici. Verse. Wow! Wow! Très bien. Je crois qu'il est bien rempli là. On revisse bien le bouchon, voilà, bien serré. Et puis, on tourne le bouton sur « On ». Juste là. Puis, tout ce qu'il reste à faire, c'est tirer la ficelle. 3, 2, 1 ! Un peu plus fort cette fois. Encore plus fort. Ouais, bien joué ! Wow ! Très bien. Donc, ça ici, c'est le siège du kart. C'est là que le pilote, oui, moi, vous, c'est là qu'on va s'asseoir aujourd'hui. Alors, on s'assoit. Wow! Hey, je crois que j'aime ça. Ok, mais tout d'abord, quand on pilote un kart, oui, sécurité d'abord. On va mettre notre ceinture.
comme dans n'importe quel véhicule, tous les véhicules. Il faut mettre sa ceinture. Très bien. Et voilà. Oh, là en bas, vous voyez ? La pédale de frein. C'est là qu'on appuie pour s'arrêter. Oh, oh, oh. Et cette pédale juste là. Oh, oh, oh. C'est, ouais, l'accélérateur. C'est pour aller vers l'avant ou l'arrière. Et là, ça, c'est le volant. Oh, c'est pour faire tourner le kart. C'est parti. Du kart, c'est vraiment fun. Le truc cool avec les kartes, c'est qu'il y en a plein de différentes sortes, comme ceux qu'on vient de voir. Et puis, et aussi, il y a ceux-là. Venez voir. Regardez ça. Ce kart-là est tout petit. Ah, c'est drôle. Oh, oh, il y en a un par ici, juste pour vous et moi. Waouh. Ouais, ce kart vert, il a l'air super chouette. Très bien, on va le démarrer. Donc, vous vous souvenez, on enfile le gant et puis on tire d'un coup. Ouais! Wouhou! Le truc cool avec ces petits kartes, c'est qu'à partir de 96,5 cm, eh bien, on peut les conduire. Wow! Oh! Et croyez-moi, je fais plus de 96,5 cm. Donc, tout d'abord, oui, sécurité avant tout. Il faut mettre sa ceinture. Oh, 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 bien serré. Très bien, maintenant l'accélérateur. C'est parti. Oh, wow. Vous avez vu ça? C'est un crash. Et comme les kartes ne vont qu'en avant, il faut utiliser cet outil quand on rentre dans un truc, parce qu'on ne peut plus avancer du tout. Vous voyez, c'est comme une sorte de barre avec un crochet au bout. Waouh! Ok, regardez ça. On l'accroche là-dessous, on tire un peu dessus. Waouh! C'est super lourd. Bien. Ouais! Là, on peut repartir à nouveau. C'est parti! Wow! C'était super fun de faire un tour dans ce kart. Waouh! Oh! Mais je crois que c'est le moment parfait pour aller dans le grand kart. Oh! Oh oui! Oh! Oh, regardez ce que c'est! Waouh! Ça, c'est un grand kart pour enfants. Ouais, il est très puissant. C'est super puissant. Il a même été importé depuis la France. Regardez ça là en bas. Ouais! C'est un kart avec des phares à LED et à l'arrière. Et même des feux arrière, vous les voyez? Et quand on appuie sur le frein... Oui! Il est même équipé de feux stop! Wow! Ce kart est tellement puissant qu'il faut avoir au moins 16 ans et un permis de conduire valide! Tant mieux pour moi! J'ai les deux. Oui, ça veut dire qu'on peut le démarrer. Donc, on pousse le bouton et on tire là-dessus. Waouh! Il a l'air d'être bien puissant, lui aussi. Donc, on s'assoit
dans le siège et on accroche sa ceinture parce qu'il est trop super puissant. Oh, ah, je suis un peu nerveux, mais ça va être trop super fun. Très bien, vous êtes prêts? C'est parti! Oh! Ouhouhou! Ce kart-là va trop vite! C'était super fun de découvrir tous ces cartes avec vous. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Oui, Blippi. On l'épelle ensemble. Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi. Très bien. Hey, c'est moi, Blippi. Ouh, il fait nuit noire et on est sur un parking. Il y a tous ces magasins. Ouh! Regardez celui-là! C'est le Kinderland Indoor Playground de Las Vegas dans le Nevada. Venez! Wow! Il y a plein de couleurs ici! Avant de jouer, nous devons quitter nos chaussures. Ok, une chaussure, deux chaussures. Maintenant, on va pouvoir jouer. Venez! Yeah! Wow, regardez ça! Hello! Wow, je suis dans une petite maison. C'est une balle jaune. Regardez ça. Et une balle bleue. Une balle verte. Balle rouge. Et une balle orange. Regardez là! Ouais! Une piscine à balles! Je vais sauter dedans! Wow! Wow! Oh, toutes ces couleurs! Wow! Wow! Qu'est-ce que c'est? C'est un dinosaure! Et c'est un ptérodactyle! Écoutez! Bye bye, ptérodactyle! Voyons ce qu'on peut trouver d'autre. Wow! 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 C'est un autre dinosaure. Et c'est un Tyrannosaurus Rex. Ah!
J'adore les Tyrannosaurus Rex. Bye bye. Regardez! Ça, c'est un stégosaure! Faisons le stégosaure ensemble! Ok? Prêt? Bye bye! Toutes ces balles de couleurs! Jouons encore! Wow! Regardez! C'est une voiture de police! Vroom, 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 vroom. Oh, regardez! C'est un camion poubelle! Wow! J'adore le jour des poubelles! Et les camions poubelles! Wow! Ça, c'est un camion toupie! Regardez, on fait tourner ça ici. Bye bye! Oh! Wow! Regardez! Un camion de pompiers! On doit éteindre le feu! Oui, oui, oui! Ouh! Un camion Ben! Oh! Wow! Wow! Et ouais! Un aspirateur! Bien! Nickel chrome! Wow! Regardez ce gros ballon orange à picot! Wow! 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 Regardez ça! C'est un ballon bleu! Wow! Wow! Oh! 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 Ça? C'est un petit ballon orange et bleu à picot. Wow! Wow! Oh, regardez ça! Toboggan! Allez, on y va! Oh, oh, le toboggan, c'est trop fun! Oh, toutes ces couleurs! Je vais grimper jusqu'au sommet! Maintenant, il faut redescendre. Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? Salut! Vous avez faim? Ouais, j'ai super faim. J'ai fait quelques courses. Regardez tous ces fruits et légumes. Miam!
Voyons ce que nous allons cuisiner ensemble. Oh, regardez! On doit sortir la vaisselle d'abord. L'assiette et le bol. Oh, regardez ça! Je vous ai fait des spaghettis. Ouais, miam! Il faut assaisonner. Oh, et vous savez ce que j'ai d'autre? Vous aimez la pizza? Ouais! Ok, regardez ça. Miam! Ça a l'air trop bon! Ouais! Prenons la spatule et coupons la pizza. Oh! Regardez cette part de pizza pour vous. Bien! Parfait! Et voilà! C'est chaud! Elle vient juste de sortir du four. Oh! Pour encore plus de goût, on va mettre de la sauce piquante dessus. Oh! Mais avant de mettre la sauce piquante, goûtons-la! Wow! Regardez ça, venez! Wow! Il y a des roues en dessous! Je vais le faire rouler! C'est parti! C'est trop génial! Oh! Il y en a un autre! Et que se passe-t-il si je monte dessus? Allez, c'est parti! Oh! C'était méga fun! Oh, encore un autre! Ok! Allez! C'est parti! Ouais! Oh! Regardez cette structure! Venez! Oh! Regardez ces marches, toutes ces couleurs! Ça, c'est la couleur noire. Ça, c'est une nouvelle couleur. Waouh! Ça, c'est marron. Cette couleur est la couleur rose. Bleu, vert, violet, rouge. Regardez ça! Wow! C'est un toboggan! Ok, on y va! Oh! 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 Ah! Oh! Wow! 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 Toutes ces couleurs et ces balles! Regardez ça! Encore une fois! Bon, je vais la lancer hyper fort! Oh! Oh! Ça a rebondi sur le mur! Et bing! Dans la figure! Oh! 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 Attention! Oh! Wow! Regardez ce filet jaune! Wow! Et regardez ce qu'il y a ici! Wow!
c'est un toboggan géant rouge. Wow! Hey! Regardez ce qu'on a sur la route. Wow! Des énormes blocs de mousse. C'est l'heure d'y aller. Mais ils sont sur notre route. Attendez! Pourquoi pas glisser les pieds en avant et boum! Shooter dedans! Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Wow! C'était super fun de jouer au Kinderland Indoor Playground de Las Vegas, Nevada! Bien, c'est la fin de la vidéo, mais si vous voulez voir plus de vidéos, vous savez comment faire! Ouais, cherchez mon nom! On épelle Blippi ensemble. Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi! Super! Eh ben, bye bye! C'est moi, Blippi! Aujourd'hui, on est au musée pour enfants de Hands-On à Olympia, Washington. Ça va être super méga fun! Parce que ici, on va apprendre plein de choses. Venez! Oh, venez! Oh, Je me servais juste de ce télescope pour voir des trucs super cool! Waouh! Waouh! En parlant de cool, regardez ce mur! Waouh! Il y a plein de pompes qui poussent l'air dans ces tubes! Et regardez! Prenons un mouchoir vert. Mettons-le juste ici. Voilà l'écharpe. Prêt? Wow! Ouhou! Oh, les voilà! On recommence. Mais cette fois, on va tourner ça. Et là, ça va prendre une autre voie parce que ça bloque l'air de la voie d'origine. Prêt? 3, 2, 1... Oh, 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 c'était rapide! Ok, on va par là. Et on va essayer une autre couleur, comme ce foulard jaune et cet orange-là. Prêt? 3, 2, 1... Oh, 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 oh. Sous la jambe! Wouhou! Jaune et orange! Wow! Qu'est-ce que c'est? C'est ici qu'on peut construire une fusée spatiale. Et puis, de l'autre côté, le lancement! Très bien. D'abord, il faut enrouler une feuille de papier blanc. Ouais! Comme ça. Et puis, on prend un bout de scotch. Le scotch, c'est très bien. Pour coller deux bouts de papier ensemble, juste comme ça, ou avec de la colle. Mais la colle, parfois, on en met de partout. Alors là, on va faire avec du scotch. Très bien. Maintenant, on a le corps de la fusée. Ok. Et puis, on va faire les ailerons. Juste comme ça. Voyons voir. Comment on fait ça? Oh! J'en sais rien. Très bien. On les coupe. Ah, ça, c'était un gros rectangle. Et là, on va faire un peu comme ça. On fait un triangle. Ok, maintenant, on plie comme ça. En voilà un. Et on a un autre triangle. Ouais! Ok, on plie ça. Et maintenant, on peut mettre ses ailerons sur le corps de la fusée. Ah! Ce scotch est super dur! Ok. Ok. Alors, un aileron. Ah, ça a l'air vraiment bien! Et puis, on va mettre un aileron de l'autre côté.
Et voilà. Ouais, comment vous trouvez ça? Ah, ça a l'air très bien. Ah, maintenant, il faut qu'on fasse la coiffe. On utilise la même feuille de papier. Très bien. On va donc faire un petit cercle. Et puis... on fait comme ça. C'est un genre de cercle d'un côté, demi-cercle, et ça fait une pointe. Ensuite, on va le rouler, comme ça. Parfait. Maintenant, on va prendre ça. Waouh, presque fini. Très bien. Maintenant, on scotche ça à la fusée. Ma fusée. Ah, ça n'a pas l'air terrible. On verra comment elle vole. Ah, on va en prendre une de celles-là, faites par d'autres gens. Et peut-être qu'une de celles-là voudra bien voler, juste au cas où. La mienne ne vole pas. Celle-ci a l'air de pouvoir bien voler. On va l'amener par là-bas. Ok, ça, c'est la rampe de lancement. Donc, la première chose à faire, c'est de la mettre sur la rampe de lancement. Très bien, ça, c'est la fusée que j'ai fait. Alors, il faut la pressuriser. Et voilà. Très bien. Et là, c'est le bouton de lancement. Je vais la lancer. 5, 4, 3, 2, 1... Oh, on l'a fait! Ouh, bien joué! Ça, c'était la fusée que vous et moi avons fait. Très bien. Et souvenez-vous de la fusée qu'on a pris dans la caisse de recyclage. Voyons ce qu'elle fait, cette fusée-là. Très bien. Ok. Oh, celle-ci est bien ajustée. On la pressurise. Ouh! H-5! 4, 3, 2, 1, 0! Oh! Hé, regardez! C'est peut-être bien pour ça qu'elle était dans le recyclage. C'est trop absurde! Hé, venez! Waouh! On dirait un atelier d'art! Oh! Hé, regardez ça! Il est sûrement fait maison, ce robot! Ah, oh, c'est super cool! Ouais, oui, c'est de l'art parce que quelqu'un l'a fait! Oh, même un évier! Pour se laver les mains! On peut vite se salir dans un atelier d'artiste! Waouh! Ah, cet endroit est trop cool! Parce qu'il y a des pistolets à colle chaude! Ils sont éteints, là, mais ils font de la colle super chaude! Et alors, on peut coller! Comme ça, super vite! Wow! Hé, regardez! Des œuvres d'art faites par d'autres enfants! Wow! Ah, elles sont trop super belles! Et pleines de couleurs! Wow! Allons explorer! Wow! Ah, j'adore créer des choses! Oh! Hé, hey, salut! Salut! Et qui êtes-vous? Je m'appelle Brine! Wow! Très joli nom! Bienvenue à l'atelier! L'atelier! Wow! Et qu'est-ce qu'on fait à l'atelier? On peut faire toutes sortes d'art et de choses. On construit des robots, on peut aussi peindre, on peut même faire du dessin et du coloriage. Wow! Ça a l'air trop fun! Et vous avez un projet artistique pour moi? Mais bien sûr, ça vous dit de faire une couronne? Bien sûr! Là, ici, vous prenez ça et vous l'emmenez, et vous le décorez comme ça vous chante. Très bien! Merci beaucoup! Bye bye! Super! Faisons une couronne ensemble! Wow! Très bien! Prenons ça... et voyons ce qu'on va prendre. Ah, ce truc jaune, on va l'enrouler autour de la tête. Oh, mais c'est pas assez grand. Attendez une seconde, j'ai une idée. On prend l'agrafeuse et on en agrafe deux ensemble. Juste comme ça. Et là. Bien l'enrouler. Tout autour de la tête. Assurons-nous que c'était la bonne taille. Parfait. Et voilà. Et voilà. Là, on a du surplus. Et je vais donc prendre une paire de ciseaux.
et couper le surplus. Oui, vous voyez, maintenant, c'est un cercle. Et ça va sur ma tête. Oui, juste comme ça. Très bien, remettons le surplus juste ici. Et maintenant, on va se servir de toutes ces choses pour décorer. Donc, on repose la graffeuse. Ensuite, on prend ce marqueur et on fait quelques gribouillis bleus. Ouais, ah, ça rend super bien. Oh, ouais. quelle autre couleur? Ah, peut-être un marqueur violet pour faire des gribouillis, mais dans le sens opposé. Wow! Trace. Et sur ce côté, on va faire des zigzags. Wow! Là, au milieu, oh, on va mettre du noir. Wow! Ah, le rendu est trop bien! Et voilà. Ok. Maintenant, on a des sortes de trucs jaunes qui sont bien douillets. Achou! Oh, ça me chatouille! Ok, on va mettre ce truc jaune juste ici, juste comme ça. Voyez? Ouais, le rendu est super bien. Bien joué! Ok, encore un autre. Waouh! On en fait un troisième. Parfait. On y va. On met ça là. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, super bien. Je parie qu'il y a au moins un truc qui manque. Je crois bien qu'il nous manque une fleur. Ok, je le mets là. Ici. À quoi je ressemble? Maintenant, appelez-moi Roi Blippi. Bien joué pour cette création. Billets, prenez vos billets. Qui veut un billet pour le spectacle? Oui, je vends des billets pour le spectacle. Oh, vous voulez voir mon numéro? Oui, ça va être super drôle. Ok, je dois aller en coulisses pour me préparer. Vous me rejoignez, ok? Oh non, c'est pas bon. Je suis pas prêt du tout. Oh. Ok. Ok, Blip, tu maîtrises, hein? Blip, tu maîtrises. Hein? Ok. Ok, je maîtrise. Mesdames et messieurs, Blippi! Test! 1, 2! Oh, ok. Bienvenue à tous. J'ai des jeux super drôles pour vous. Oh, ok. Comment on s'appelle un dinosaure endormi? Un dino-dor! ok. Les aires de jeu protègent les mains. C'est grâce au toboggan. Ah non, ça fonctionne pas. Il faut que je trouve un truc vite. C'était super fun d'apprendre tout en jouant au musée pour enfants de Hanson d'Olympia, Washington. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est épeler mon nom. Oui, vous épelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I. Blippi!
Bien joué, il y a tellement, c'est vraiment excitant, Blippi. Hello, c'est moi, Blippi. Aujourd'hui, nous sommes à Tenino, dans l'état de Washington, et nous nous trouvons devant une serre. Est-ce que tu sais ce que c'est, une serre? Ouais, une serre est en fait une maison qui sert uniquement pour les plantes. Ouais, elle contrôle l'environnement et comme ça, on peut être sûr que la température est idéale pour que les plantes soient heureuses et deviennent vraiment grandes. Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur, allez! Cet endroit est fantastique! Il y a vraiment tout un tas de plantes ici! Et tiens, regarde celle-là! Ouais, ça c'est une fleur! Elle sent tellement bon! Et elle est tellement jolie! Ouais! Et regarde ça! Encore une fleur! Ouais! De quelle couleur est cette fleur? Ouais, c'est la couleur rose! Wow! Et toutes ces feuilles qu'elle a, de quelle couleur sont-elles? Ouais! Elles sont de couleur verte! Wow! Ces fleurs sont si jolies! On peut les mettre en décoration sur une table et ça la rendra encore plus belle! Wow! Hey, c'est quoi toutes ces plantes? Wow! Elles ont l'air vraiment petites comparées à ces fleurs! Ouais, en fait, on appelle ça des plantes grasses! Ah! Intéressant! Elles ressemblent un petit peu à des cactus. Ouais, la différence, c'est qu'elles ne piquent pas. En réalité, les cactus, oui, sont un type de plante grasse, elles aussi. Waouh, les plantes grasses, c'est trop cool! Waouh! Oh, il y en a encore plein par ici! Waouh, il y en a tellement! Beaucoup de serres contiennent des fleurs comme celle-ci. Et d'autres contiennent différentes sortes de fruits. J'adore les fruits! Et on fait aussi parfois pousser des légumes. Miaou! J'adore les légumes aussi. J'aime beaucoup manger plein de choses saines. Toi aussi, tu manges des choses saines? Ouais, tu as raison. Mais de quelle couleur est cette fleur? Ouais, elle est de couleur violette. Suis-moi! Encore des plantes! Tu as vu de quel type il s'agit? Ouais, ce ne sont pas des fleurs, ni des fruits, ni des légumes. Ça ressemble à de l'herbe, plus qu'à une plante. Ouais! Il y a trois différents types d'herbes. Regarde. Oh! On dirait des cheveux! Hello! Hey! J'ai l'air un peu cinglé, non? C'est vrai! C'est trop rigolo! Hey, il y a un autre type de plante ici. Wow! Et même un autre! Wow! Ouais. Et toi, est-ce que tu as de l'herbe chez toi? Hey, c'est tout à fait possible. Et c'est tellement amusant de jouer dehors et de se rouler dans l'herbe. Wow! 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 Ouh! Il y a tellement de sortes de plantes différentes ici. J'aime beaucoup les serres. Wow! Regarde! Wow! Wow! J'ai trouvé un énorme pot de fleurs. Tu as vu comme il était suspendu? Eh oui, c'est vraiment joli. Nous avons ici un bouquet de fleurs. Ouais, un bouquet, c'est un grand groupe de fleurs, mais en général, on les coupe et on en fait un bouquet très coloré à offrir à quelqu'un. Wow, c'est joli! Mais ça, c'est joli aussi. Et elles sont dans un pot suspendu. Wow! Très bien! Il faut juste s'assurer de remettre les choses là où on les a trouvées. Wouhou! Wow! Regarde! Wow! Il y a tellement de couleurs ici! Quelle couleur vois-tu? Allez, dis-moi. Cette fleur-là est rose. Celle-là, juste là, est rouge. Oh! Regarde celle-là! Elle est de la même couleur que le soleil! Ouais! Elle est jaune! Wow! Très bien, j'ai une idée. Si on faisait une activité ensemble. Est-ce que tu as déjà planté une fleur? C'est génial! C'est très amusant, n'est-ce pas?
Tu vois ça? Ouais. Tu sais ce que c'est? C'est une fleur. C'est une fleur adulte. Elle est vraiment vieille. Et regarde celle-là. C'est plutôt une fleur adolescente. Ou un bébé fleur. Tu as vu? Elle n'a même pas encore créé la fleur. Mais très bientôt, elle va se transformer en une fleur comme ça. Mais avant que cette fleur-là devienne aussi grande, eh bien, c'est en réalité une toute petite graine. Ouais! Toutes les plantes qui existent, ou les fleurs, je devrais dire, étaient des graines à l'origine. Ouais, pour grandir, les choses dont chaque plante a besoin sont du soleil, de l'eau, de la terre, c'est en quelque sorte leur maison, et de la nourriture, tout comme nous. Elles mangent, wouhou! Bien, alors, on va commencer par créer la maison de notre plante. C'est là que nous allons mettre la graine. Allez, c'est parti. Ouais, on prend plein de terre. Oh, j'en ai mis partout. Oh, c'est pas grave. Je nettoierai après. Voilà. Très bien. Cette terre contient déjà beaucoup de nourriture pour les fleurs. Ouais, voilà. Il arrive même que l'eau que l'on met dans la terre pour arroser les fleurs contienne aussi de la nourriture. Très bien. Regarde ça. J'ouvre. Juste là. Nous avons une graine de fleur. Waouh! Tu as vu comme elle est toute petite? Ouais! Ah, c'est trop cool! Alors, on va mettre cette graine juste ici. Et on va la pousser au fond. Voilà! Ok. Ensuite, on la recouvre un tout petit peu. La terre est toute moelleuse et humide. Après un moment passé là-dedans, la graine va germer et ça va donner une toute petite fleur toute mignonne. Et ensuite, elle va grandir et devenir comme ça. Waouh! Toute verte et toute jolie. Mais quand elle deviendra adulte, elle va fleurir. Bien joué! Alors, quelles sont les quatre choses dont chaque plante a besoin pour pousser? Ouais! Elle a besoin de soleil, elle a besoin de terre, elle a besoin de nourriture, et enfin, elle a besoin de beaucoup d'eau. Waouh! C'était bien, je me suis amusé. Promenons-nous en forêt à l'ombre des arbres, respirons le grand air, profitons du calme. Attention à ne pas effrayer les insectes, si tu veux les voir sortir de leur cachette. Tous ces champs de fleurs à perte de vue nourrissent les animaux avec plein de nourriture. C'est la chanson de la planète, il est temps de lui venir en aide. Tous ensemble, à nous de montrer l'exemple. C'est la chanson de la planète, découvrons tous ses secrets. Tous ensemble, c'est à nous de jouer, soyons motivés. Tout le monde peut donner un petit coup de main, ne pas gaspiller d'eau pour arroser le jardin. Recycler le papier, le verre et le plastique. Prends soin de la planète et ce sera fantastique. Tu peux planter quelques arbres ou ramasser des déchets. Avec l'aide d'un ami, ce sera parfait. C'est la chanson de la planète, il est temps de lui venir en aide. Tous ensemble, à nous de montrer l'exemple. C'est la chanson de la planète, découvrons tous ses secrets. Tous ensemble, c'est à nous de jouer, soyons motivés. Soyons motivés. Soyons motivés. C'était tellement amusant.
plaisant de découvrir les plantes avec toi aujourd'hui! Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué! Peux-tu m'aider à épeler mon nom? B-L-I-P-P-I! Blippi! Bien joué! Ouais, à bientôt! Bye bye! Venez les amis, on va s'amuser. Blippi, Blippi. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hey! C'est moi, Blippi! Regardez où on est! Oui! On est à Leavenworth, sur les pistes de ski de Leavenworth, État de Washington! Wouhou! C'est un merveilleux jour d'hiver aujourd'hui! Et vous et moi, on va bien s'amuser dans la neige! Allons-y! C'était super fun! Wouhou! Et vous avez vu ce que je viens de faire? Ouais! J'ai glissé sur cette bouée à neige depuis là-haut! Mais la piste n'était pas très longue. Mais hey, ici, il y a une piste plus longue. Il y a même une machinerie pour remonter la piste. Comme ça, on n'a pas besoin de marcher jusqu'en haut. Je vais vous montrer ça vite. Mais d'abord... Ça, c'est une bouée à neige. Wow! La bouée à neige est couverte de plastique rouge. Wow! Et ça, ça protège la bouée à neige. À l'intérieur, la bouée à neige est en fait en caoutchouc noir. Regardez! Et puis, on a aussi une laisse. Et ça, l'anneau, c'est là que le crochet s'accroche. Pour ensuite vous remonter. En haut de la piste! Wouhouhou! Wow! Allez, on va voir ça. Ok, regardez ça, cette machinerie. Ouais, il y a des câbles. Des engrenages, regardez les engrenages. Wow, vous les voyez bien? Tournez en rond. C'est ça qui génère la force et la puissance de ces crochets. Juste là. Ils vont tirer la bouée et la personne jusqu'en haut de la piste. Très bien. On va l'accrocher. Et puis, on regardera la bouée remonter. J'ai un jeu pour vous. On va compter le nombre de bouées. D'accord? 1 2 3 4 bouées. Très bien joué. On vient de compter jusqu'à 4 ensemble. Maintenant, un autre jeu. Celui-là est assez simple. Quelle est la forme de cette bouée? Ce n'est pas carré. Est-ce que c'est un triangle? Non. La même forme qu'un pneu. Oui, c'est un cercle. Wouhou! Bien joué! Regardez! Regardez ce que c'est! Ça, c'est un paillasson noir. C'est hyper lourd! Et là, c'est un tapis gris. Oui, juste comme un tapis qu'on a dans notre maison. Oui, le paillasson et le tapis sont sur le passage pour vous ralentir. Parce que sinon, ça irait beaucoup trop vite et on partirait dans le décor! Venez! Ça y est! On y va! Oh!
Vous avez vu comme j'allais vite? Oh, c'était génial! Waouh, regardez! Il est trop cool cet engin, pas vrai? Le truc bien sur les pistes, c'est qu'ils ont des engins trop cool pour s'occuper du domaine. Waouh, regardez! Waouh! Vous voyez ça? Ouais, c'est une chenille! Oui, ce véhicule a des chenilles! Eh, c'est intéressant! Souvent, les véhicules ont des roues. Mais pas celui-là! Celui-là a des chenilles qui s'agrippent à la neige et lui évitent de glisser ou de déraper. Allons voir ça! Ah, on recule. Ouais. Regardez! Vous voyez ce que je fais? Ouais! Je fais du vélo! C'est pas bizarre? Faire du vélo sur la neige? Ouais! Normalement, le vélo, c'est sur le dur! La terre et le goudron! Mais regardez! Vous voyez les pneus de ce vélo? Ouais! Ils sont très gros et larges! Waouh! C'est bien plus large qu'un simple pneu de vélo. Ouais, on les appelle des pneus fat bike. C'est pour qu'ils agrippent mieux la neige, afin d'éviter de glisser ou de déraper. Waouh, ce vélo a des super pneus. En piste! C'est de la neige! Oh, c'est hyper froid! Maintenant qu'il fait froid dehors, mets tes gants, ton bonnet, et fais-toi une bonne tasse de chocolat! Ah! Oh, excusez-moi! Maintenant qu'il neige dehors, tout le monde peut s'amuser, et c'est le temps parfait! C'est parti! L'hiver est là avec son grand manteau blanc. Ne prends pas froid, habille-toi chaudement. Il y a tant de choses à faire dans la neige. Avec tous tes amis, c'est un privilège. Faut bien s'équiper à la neige. Avec cette épaisseur, c'est une moto-neige qu'il faut. Grâce aux patins qui accrochent le sol, on peut aller à fond. L'hiver est là avec son grand manteau blanc. Ne prends pas froid, habille-toi chaudement. Il y a tant de choses à faire dans la neige. Avec tous tes amis, c'est un privilège. C'est le plus bel hiver. C'est le plus bel hiver.
C'était trop super fun de jouer dans la neige avec vous aujourd'hui. C'est sûr, j'adore les saisons. Oui. Et l'hiver est une très belle période de l'année. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous épelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Très bien! À la prochaine! Bye bye! Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant, Blippi! Wouh! Aujourd'hui, on est au Las Vegas Mini Grand Prix! Wouh! Regardez ça! Ce sont des cartes! Et ça, c'est un carte vert! Là, c'est un kart rouge. Et ça, c'est un kart bleu. Je suis trop excitée. Regardez bien ces deux cartes. Ce sont mes deux couleurs favorites. Ce kart-là est de couleur orange. Et ce kart-là, oui, est de couleur bleue. Là, c'est l'heure pour moi de vous montrer toutes les parties du kart. Donc, oh, hé, hey, regardez ça! Oui, c'est bien un kart! La première chose sur les cartes, c'est que tous les kartes ont quatre roues. Vous voyez ça? Ça, c'est ce qu'on appelle une roue. Elles sont toutes petites! Trop mignon! Ici, c'est donc la première roue. Ça, c'est la deuxième roue de ce kart. Par ici, c'est la troisième roue du kart. Et ça, c'est la dernière roue du kart. La quatrième roue du kart. Waouh! Regardez ça! Ouais! Ça! Ça, c'est le pare-choc. C'est une sécurité. Ça protège quand on fonce dans quelque chose. Comme ça. Wow! Très bien. Regardez ça. Derrière. Ça. Oui, ça. C'est un aileron. Ils mettent des ailerons sur ces cartes et sur les bolides. Ça les force à rester au sol. Et ça rajoute genre 3 millions de chevaux au véhicule. Wow! C'est vite, ça! Oh, regardez là! Ça, c'est le moteur de notre kart. Il y a le filtre à air, la bougie, le silencieux, l'huile et trop plein d'autres choses. Bien, pour que le moteur développe toute sa puissance, il a besoin d'essence. Un peu comme vous et moi, de manger. Le kart mange également. Ouais, enfin, juste ici, c'est le réservoir. Et juste ici... Ouais, juste ici, c'est le réservoir. Wow! Je crois que vous et moi, on va le remplir. Nous allons faire le plein d'essence de ce kart. On enfile un gant de protection. C'est parti! Wow! Très bien. On met l'embout ici. Verse! Wow! Wow! Très bien! Je crois qu'il est bien rempli, là. On revisse bien le bouchon. Voilà! Bien serré. Et puis, on tourne le bouton sur On. Juste là. Puis, tout ce qu'il reste à faire, c'est tirer la ficelle. 3, 2, 1! Un peu plus fort cette fois. Encore plus fort. Ouais! Bien joué!
Wow! Très bien. Donc, ça ici, c'est le siège du kart. C'est là que le pilote, oui, moi, vous, c'est là qu'on va s'asseoir aujourd'hui. Alors, on s'assoit! Wow! Hey, je crois que j'aime ça. Ok, mais tout d'abord, quand on pilote un kart, oui, sécurité d'abord. On va mettre notre ceinture. Comme dans n'importe quel véhicule, tous les véhicules, il faut mettre sa ceinture. Très bien. Et voilà. Oh, là en bas, vous voyez? La pédale de frein. C'est là qu'on appuie pour s'arrêter. Oh, oh, oh. Et cette pédale juste là, c'est, ouais, l'accélérateur. C'est pour aller vers l'avant ou l'arrière. Et là, ça, c'est le volant. Wow! C'est pour faire tourner le kart. C'est parti! Du kart, c'est vraiment fun. Le truc cool avec les kartes, c'est qu'il y en a plein de différentes sortes, comme ceux qu'on vient de voir. Et puis, et aussi, il y a ceux-là. Venez voir. Regardez ça. Ce kart-là est tout petit. Ah, c'est drôle. Oh, oh, il y en a un par ici, juste pour vous et moi. Waouh. Ouais, ce kart vert, il a l'air super chouette. Très bien, on va le démarrer. Donc, vous vous souvenez, on enfile le gant et puis on tire d'un coup. Ouais! Wouhou! Le truc cool avec ces petits karts, c'est qu'à partir de 96 cm, eh bien, on peut les conduire. Wow! Oh! Mais croyez-moi, je fais plus de 96 cm! Donc, tout d'abord, oui, sécurité avant tout. Il faut mettre sa ceinture. Oh, bien serré. Très bien, maintenant l'accélérateur. C'est parti. Oh wow. Vous avez vu ça? C'est un crash! Et comme les kartes ne vont qu'en avant, il faut utiliser cet outil quand on rentre dans un truc, parce qu'on ne peut plus avancer du tout. Vous voyez, c'est comme une sorte de barre avec un crochet au bout. Waouh! Ok, regardez ça! On l'accroche là-dessous, on tire un peu dessus. Waouh! C'est super lourd! Bien! Ouais! Là, on peut repartir à nouveau. C'est parti! Wow! C'était super fun de faire un tour dans ce kart! Waouh! Oh! Mais je crois que c'est le moment parfait pour aller dans le grand kart! Wow! Oh oui! Wow! Oh, regardez ce que c'est! Waouh! Ça, c'est un grand kart pour enfants! Ouais! Il est très puissant! C'est super puissant! Il a même été importé depuis la France! Regardez ça là en bas! Ouais! C'est un kart avec des phares à LED! Et à l'arrière! Et même des feux arrière! Vous les voyez? Et quand on appuie sur le frein... Oui! Il est même équipé de feux stop!
Wow! Ce kart est tellement puissant qu'il faut avoir au moins 16 ans et un permis de conduire valide. Tant mieux pour moi, j'ai les deux. Oui, ça veut dire qu'on peut le débarrer. Donc, on pousse le bouton et on tire là-dessus. Wow! Il a l'air d'être bien puissant, lui aussi. Donc, on s'assoit dans le siège et on accroche sa ceinture parce qu'il est trop super puissant. Oh! Ah, je suis un peu nerveux. Mais ça va être trop super fun! Très bien! Vous êtes prêts? C'est parti! Oh! Wouhouhou! Ce kart-là va trop vite! C'était super fun de découvrir tous ces cartes avec vous. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Oui, Blippi. On l'épelle ensemble. Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi. Très bien, à la prochaine. Bye bye. Venez les amis, apprendre c'est génial. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant, Blippi! Hey! Aujourd'hui, je suis dans un ranch géant avec mes amis de la famille Axe. Comment va tout le monde? Ça va être super fun! Nous allons partir à la découverte des chevaux, des vaches et plein de trucs fun ici dans ce ranch. Hey Blippi, va donc te chercher une selle et on sellera le cheval. Youhou! Ça va être fun! Wow! Regardez où nous sommes! Voici une grande étable! La famille Axe va nous amener le cheval pendant que je vous montre un peu l'intérieur. Oh, regardez! C'est là que les chiens dorment! C'est trop fun! Ouh, il y en a un autre! Oh, oui. Venez! Oh, oh, encore un autre! Regardez, venez là! Il doit travailler dehors. Regardez, la porte est ouverte. Les cow-boys ont dû l'emmener. Regardez! Hello! Il n'y a personne ici! Regardez ça! Hey! Non, vraiment! Hey! Ça! C'est du foin! Et ça a l'air trop bon! Non, je rigole! Bon pour les vaches et les chevaux, pas pour les humains! Wow! Oh! Vous voyez ça? Regardez d'un peu plus près! Wow!
Regardez, une cage de contention. Là, c'est pour la tête. Oh, c'est là que le bétail vient, juste ici, pour voir le docteur et se faire vacciner. On dirait une brouette, sauf qu'elle est toute plate. C'est pour transporter le foin. On la fait rouler là-bas, boum, 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 pour aller nourrir les vaches. Wow! 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 Oh! 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 Oh, oh, ah, j'ai vraiment le tournis. Ok, un dernier endroit. Venez par ici. Wow, voici la céleri. Regardez. Wow, toutes ces selles. Ok, si je veux monter un cheval, j'ai besoin de votre aide. Choisissons notre selle favorite. Ok, venez. Celle-là? Non! Celle-là? Non! Ouais! Celle-là a l'air d'être la bonne! Ok, mais d'abord, il nous faut un tapis de sel. Là, en haut. Oh! Venez là! Regardez celui-là! Vous savez quelle couleur c'est, ça? Ouais! L'une de mes favorites! Bleu. Ok. Prenons ce tapis de sel. Je prends aussi celui-là. Et il nous faut également la bride. Venez. Ok, je prends la bride. On la met sur la selle. Ok. On y va. Ouais. Ok. Ah, merci Blippi d'avoir pris la céleri. Ouais. Peux-tu me faire passer les tapis de sel? Très bien. On les met en premier. Les tapis de sel, à quoi servent-ils? Les tapis de sel se posent sous la selle. Comme un coussin. Pour le cheval, la selle, c'est là où le cow-boy s'assoit. Ok. Et ça, ça va sur le cheval. Par-dessus le tapis. Et je vais l'attacher au cheval. Comme ça, le cavalier pourra s'asseoir. La bride. Cool. Ou la tétière. Ok. Et un cow-boy ou une cow-girl utilise la bride pour diriger le cheval. Waouh, comme un volant. Comme ça. Et au-dessus de ses oreilles, ici. Comme ça. Et on contrôle la bride à l'aide des rênes. Oh! C'est donc bien l'équivalent d'un volant pour le cheval. Ok. Ok, bien. Ça veut dire que je suis prêt à diriger le cheval? Je pense bien, Blippi. Ok, Blippi, à ton tour maintenant. D'accord. Oh. Ok. Oh. Ok.
Oh, c'est parti! Allez, bonne balade! Merci! C'est parti! Wow! Hé! Cette jument est marron foncé. Elle est trop belle. Cette jument s'appelle Fancy et elle est trop chic. Oh, c'était trop super fun! Non seulement Fancy est un bel animal, mais elle est aussi, comme les autres chevaux, très utile pour déplacer le bétail au sein du ranch. C'était vraiment l'éclate de monter à cheval. Allons voir ce qu'il y a d'autre dans ce super ranch. C'est parti! Oh! C'est parti! Des quads, car ils ont quatre roues. Une, deux, trois, quatre. Wow, wow. Vous faites un tour de quad avec moi. C'est pas fun? Wow. Dans le ranch, il y a beaucoup d'engins très utiles, comme ce quad. Et... Comme ça, cet énorme camion benne. Youhou! Et ce mini tractopelle. Et maintenant, le plus gros engin du ranch. Ah oui, c'est un gros engin. Ouh! Maintenant que le ski John est garé et qu'on peut s'approcher en toute sécurité, mon bon ami Cody de la famille Axe... Hello tout le monde! ...va nous montrer! Vous êtes prêts? Ouais! C'est parti! Ok, alors... Ce ski John est en fait utilisé pour lutter contre les feux de forêt. C'est le mélange d'un camion de pompiers et d'un monster truck, combiné. Vous voyez ces gros pneus? Comme les pneus de monster truck, regardez, ils sont énormes. Ils sont là pour que le ski John ne reste pas coincé quand il sort dans la forêt. Allons par là, vers l'avant. Ici, c'est comme une charrue, équipée d'un pare-broussaille. Ça descend jusqu'au sol, pour repousser et dégager toutes les broussailles, ce qui crée un pare-feu. Et lorsque le feu arrive jusqu'au pare-feu, il est stoppé. Venez par là, vers l'arrière. On a un réservoir d'eau géant. Ici, c'est rempli d'eau. C'est environ 4200 litres d'eau. Et là, il y a une lance d'incendie. Par ici, ce tuyau rouge. On peut le dérouler et le faire aller jusqu'au feu, puis le laisser à terre. Il y a aussi une tourelle, là, au-dessus. Elle tourne sur elle-même et envoie de l'eau. Mais avant de vous montrer ça, allons à l'intérieur de la cabine.
Bien. Maintenant, on est à l'intérieur du ski gen. Laissez-moi vous montrer. Là, ici, c'est le volant. Et c'est en fait avec ça qu'on va conduire le ski gen un peu partout. Si vous regardez un peu plus haut, ça, c'est le tableau de bord, avec tous les indicateurs. Si on pousse ce bouton ici, c'est le klaxon. Vous entendez? Et là, regardez en bas à mes pieds. Ça, c'est la pédale de frein. Et ça, c'est l'accélérateur. Et par ici, on a ce petit levier. Ça, ça contrôle la lame à l'avant du ski gen. Je vais vous montrer le plus cool. Ça, c'est le joystick qui contrôle le canon à eau. Regardez. Pouvoir filmer cet énorme ranch. N'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube de l'Axe Family. Vous pourrez ainsi voir d'autres vidéos du ranch. Bien, bye bye!